Alors, on regarde sur les images, puisqu'on commente en direct. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Brigitte Macron, qui sort de la voiture, qui salue la foule. On voit hein, que plusieurs dizaines de badauds se sont massés devant le palais de l'Élysée. Voilà l'arrivée hein, de l'épouse du chef de l'État élu, Brigitte Macron, hein, qui, on le disait il y a quelques minutes, Elsa, sera accueillie par l'épouse de Jean-Pierre Jouyet, Brigitte Tétinger-Jouyet, puisque il n'y a pas actuellement de première dame à l'Élysée. C'est donc avec la femme de Jean-Pierre Jouyet que s'entretiendra Brigitte Macron pendant que son époux et François Hollande s'entretiennent dans le bureau présidentiel. En fait, il y aura en quelque sorte trois tête-à-tête ce matin. Il y aura le tête-à-tête entre le président élu et le président sortant dans le bureau du chef de l'État, au premier étage de l'Élysée, qu'on appelle le Salon Doré. Il y aura effectivement un autre tête-à-tête entre Brigitte Macron et Brigitte Jouyet, comme il y avait eu d'ailleurs en 2012 un tête-à-tête entre Carla... Trier-Weiler et Carla Bruni-Sarkozy. Cécilia Sarkozy à l'époque. En 2012. Et il y aura un troisième donc tête-à-tête entre Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général sortant de l'Élysée, et celui qui sera le secrétaire général de l'Élysée pour Emmanuel Macron, qui s'appelle Alexis Kohler, qui était son directeur de cabinet à Bercy.